Salut, c'est MegaDriver 16. On se retrouve pour les chroniques de Halo, la suite sur le jeu Halo 5 Guardians. Et donc, on va entamer le prochain chapitre qui est le chapitre 13, il me semble. Si on fait un petit récapitulatif de la dernière vidéo, on avait fait deux missions. On avait fait la 11 et la 12. Donc la 11, c'était avant la tempête. On revenait avec le constructeur, avec l'équipe Osiris, et on était sur la base de l'Arbiter. Une petite mission d'enquête où le docteur Asley nous avait dit de suivre le constructeur qui partait sur le gardien de la planète Sangelios. Et donc la mission d'après, c'était donc d'y aller avec l'équipe Osiris, récupérer le constructeur qui était sur le gardien, donc pour nous mener au gardien. Et en même temps, c'était la grande bataille de Sunayan. On était avec l'Arbiter qui mettait la bataille finale un petit peu contre les Covenants. Et donc Osiris met les bouchées doubles pour atteindre le gardien avant qu'il ne quitte Sangelius, puisqu'effectivement le constructeur activait le gardien. Nous révéler son emplacement, mais aussi l'activer, il allait partir. Avec Cortana, je crois, qui était déjà dessus, il me semble. En tout cas, sur la dernière mission, on avait réussi à s'engouffrer avec l'équipe Osiris sur le gardien avant qu'il ne quitte la planète Sangelios par un portail dimensionnel. Et donc, grâce à Palmer et le docteur Asley, qui avec un pélican nous y avait amené juste au moment où il allait quitter la planète, et on avait permis aussi aider l'Arbiter à vaincre le Veilleur, un gardien Forerunner, et à mettre fin a priori à la guerre qu'il menait contre les Covenants dans cette bataille de Sunayan. Et donc on attaque ce chapitre 13 qui s'appelle Genesis. Les membres de l'équipe Osiris arrivent sur Genesis où ils rencontrent un nouvel allié. Bon, oui, peut-être que c'est un petit spoiler ça. En tout cas, on est sur le gardien, comme le montre l'image de fond là. Et on va voir ce qui nous attend sur cette planète Genesis, alors apparemment là où les gardiens se regroupent, a priori. Les gardiens dirigés par Cortana, pour un objectif mystère d'ailleurs. Activez les bottes magnétiques. J'ai vraiment l'impression d'être au bord d'un gratte-ciel. C'est flippant. Ça va aller. Le Major est là-dedans? On va bien voir. Spartan Jameson Locke émettant sur tous les canaux de l'UNSC. Syrah 117, répondez. Le gardien bouge. On reste pas là. Il faut descendre jusqu'à ce qu'on puisse sauter sans se blesser. Effectivement, le gardien bouge, on est dessus, et alors là, il y a de quoi avoir le vertige, effectivement. Et il faut avancer sur cette... On n'est pas venu jusqu'ici pour se faire tuer. Plus vite, allez ! Sur cette colonne vertébrale du gardien, là. Voilà des rampants, vous arrêtez pas, tirez en courant ! Ah ben vous arrêtez pas, moi je suis même tombé du gardien. J'ai l'impression d'être au bord d'un gratte-ciel, c'est flippant. Ça va aller. Le Major est là-dedans? On va bien voir. Spartan Jameson Locke émettant sur tous les canaux de l'UNSC. Syrah 117, répondez. Le gardien bouge. On reste pas là. Qu'est-ce qu'ils font les autres? Qu'on puisse sauter sans se blesser. Bah ils viennent avec nous. Voilà des rampants, vous arrêtez pas, tirez en courant. Restez au milieu! Faites gaffe aux trous!
qu'il cherche à nous faire tomber. Ah mais non, mais oui, ça fait deux fois que je me prends un trou là. J'ai vraiment l'impression d'être au bord d'un gratte-ciel. C'est flippant. Ah oui, d'accord. Donc il va falloir bien passer ce passage parce que à chaque fois on revient du début, hein, sinon. Ouais, ça fait déjà trois fois qu'on vit cette scène. C'est bon, là ça va peut-être bien suffire maintenant. Voilà des rampants. Vous arrêtez pas, tirez en courant. On n'est pas venu jusqu'ici pour se faire tuer. Plus vite, allez. Restez au milieu. Faites gaffe aux trous. Eh oui, mais il faut aller voir les trous aussi. Hein. Qu'est-ce que c'est là? Là on tombe, mais je pense que c'est prévu dans le scénario là. Ça a marché? On est arrivé? Je réessaie. Spartan Jameson Locke, Asira 117, répondez s'il vous plaît. Major, c'est le docteur Halsey qui... Comment vous êtes arrivé là? C'est une longue histoire. Cortana a réveillé des entités Forerunner. Encore des humains? Alors on est au bon endroit. Retrouvons-le. Bonjour. C'est un moniteur. Je suis 031 Exuberant Witness, le moniteur de l'installation Genesis. Bienvenue. Vous aussi êtes venu empêcher Cortana de revendiquer le manteau? Le manteau? C'est une paix forcée pour la galaxie. Une terrible menace de mort qui écraserait toute célébration de vie. À moins que vous ne vous alliez aux autres humains pour l'arrêter, c'est ce qui vous attend. J'accède à vos systèmes de communication. Ah, au fait, un certain nombre d'ennemis vous attendent dehors. Alors je vous ai apporté ça. J'imagine que cela vous va être utile. Un scorpion? Ouais, c'est pas faux. Ça peut sûrement servir. Je l'ai découvert en fouillant les détritus du gardien 3209. Attention à ce ghost là-bas. Elle a déjà vu un ghost, bravo, moi je l'ai pas encore vu. Les bulles de sous-espace du gardien transportent souvent une grande quantité d'ordures de leur planète d'origine. Faudrait dire à ces types qu'ils vont se faire pulvériser. Ils veulent se battre? Il ne faut pas les décevoir. Sur les chenilles. Et pourquoi ils sont pas montés là? Ah si, elle a pris un ghost Val, d'accord. Mais pousse-toi parce que je vais t'écraser là si tu continues. Le gardien! Pourquoi en a-t-elle rassemblé autant? Un seul gardien suffit pour maintenir l'ordre dans tout un système solaire. Pourquoi cette démonstration de force? Maintenir l'ordre? Démonstration de force? Oui. Les Forerunner utilisent les gardiens pour maintenir l'ordre dans les systèmes inférieurs. Comme vous le voyez, les défenses de Genesis sont dirigées contre les envahisseurs. Et malheureusement, vous êtes aussi considérés comme des envahisseurs. C'est votre installation. Donnez l'ordre de nous laisser passer. Impossible. Le Veilleur et Cortana m'ont retiré la plupart de mes privilèges d'administrateur. Mais ne vous inquiétez pas, je contrôle encore plusieurs aspects de cette installation. Ils en ont après mon flingue. Ah oui, c'est chaud là, hein, quand même. Là-bas, il y a un fantôme. Je pense que c'est ce qu'il faut dégommer en premier, hein, parce qu'il nous tire des grosses boules bleues là d'énergie. Il tire sur le scorpion.
Bon, il est bon là, il est mort. Je crois que j'ai blessé ce soldat. Alors, on a même des vaisseaux Forerunner. Ce combat va attirer l'attention du veilleur. Faites vite. Allez, faites vite, faites vite. D'accord, je suis bien con. Ah, on doit aller là-bas. Bah d'accord, mais en plus je rate mes cibles. Voilà, le ghost c'est fini. Bah, il y a des chevaliers Forerunner, ok, mais bon, avec le tank on est quand même bien. On est pas mal là, hein. Exubérante. Un instant, laissez-moi lui parler. Léus, concentrez vos tirs. Regroupez-vous, on vient de perdre Veil. Ah non. Tire sur le scorpion. Suivez-moi. Ouais, je pense que Veil elle va revenir. En tout cas, on a appris des choses intéressantes. Les gardiens étaient là pour... La passerelle est presque prête. Dépêchons. Pour maintenir... C'est là que se trouve le Major. Cortana fait tourner les autres humains en cercle à l'intérieur de la passerelle depuis des heures. Elle niche quelque chose, c'est sûr. Mais quoi? Donc les gardiens sont là pour maintenir l'ordre dans les mondes. Genesis est vraiment une planète magnifique. Mais d'habitude, elle est moins animée. On s'y ennuie en fait. Mais elle est magnifique. Et tire sur les chenilles. Ah, ils font pas que tirer sur les chenilles, hein. Votre véhicule a encaissé beaucoup de dégâts lors de ce long combat. Ah non, encore un. Tâchez un peu. C'est le seul véhicule de cette catégorie qui se trouve sur Genesis. Eh oui, mais là, on n'avait pas vu venir le deuxième. Allez, Tanaka, monte. Qu'est-ce qu'elle fout, elle y va? Elle y va toute seule, elle. D'habitude, elle est moins animée. On s'y ennuie, en fait. Mais elle est magnifique. Ah, celui-là, c'est bon. Je crois qu'on a eu le premier. Stabilise-nous. Maintenant, je comprends pourquoi votre présence trouble le veilleur. Votre aptitude à la destruction est unique. Il tire sur les chenilles. Ah ben là, je vais peut-être pas tirer sur un... Tanaka a parié que je pouvais pas tuer un rapace en moins de 3 secondes. Quelqu'un peut chronométrer? Je vais pas tirer, il y avait ma partenaire là-bas. Ok, le gardien là, qu'est-ce qu'il fait pour le moment? Il reste tranquille, c'est bien. Faites gaffe, on a un chevalier là-bas. Quoi, on a un chevalier? Ben je le vois pas, moi. Ah oui, peut-être là. Je crois qu'il n'existe plus, hein. Le soldat est blessé. Je dois avouer qu'en dépit de ma programmation, je trouve ces événements plutôt excitants. D'accord, donc... l'oracle exubérante, là, de cette installation de Genesis, prend son pied à nous voir tout détruire, là. Combien de temps? Très peu. Pas assez. Presque pas, en fait. Ah, mais les chiens galeux, voilà, très bien, ça. Ah non, encore un... Il faut reculer, là. Tâchez un peu de le ménager. C'est le seul véhicule de cette catégorie qui se trouve sur Genesis. Le chevalier est mort. Oh là là, qui nous canarde comme ça? Allez, où on doit aller? Ah ouais, c'est quand même bien chaud, hein. Ah, c'est où là? Voilà, c'est ici. Est-ce qu'on peut passer par le haut? Ah, il y a une sorte de pont là, ouais.
mission. Je trouve ces événements plutôt excitants. Il tire sur les chenilles. Donc là, il y avait un ghost, hein, je crois qu'on a vu. Cible touchée. Bon, déjà, on va essayer de faire le ménage d'en haut. Elle est toute seule là-bas, hein, là. Val avec, avec le ghost. Trouve-moi d'autres cibles. Alors, il est où? J'ai vu qu'il y avait un ghost dans le coin. Ah, le voilà. Ouh la belle esquive qu'il m'a fait. Et on a un chevalier sur le dos là. On va peut-être essayer d'aller se planquer un peu là, deux secondes. Oh, on l'a pas eu. Ghost à l'approche. Ghost en approche encore? Non, non, non. Ça commence à bien faire là, les ghosts. On doit aller où? Ils ont eu Tanaka, on se regroupe. Ah, le voilà, le ghost. Je crois que là, il a bien morflé. Effectivement, ils ont eu Tanaka, mais elle se balade toute seule aussi, il faut dire. Ça a l'air d'être bon depuis mon poste. Ouais. Le gardien bouge d'ailleurs, là. Tiens, on va se remettre dans le sens de la marche, puisque j'étais en marche arrière. Il y a un autre passage. Un instant. Bon, elle se dépêche là de nous trouver une autre solution. Ah, je contrôle toujours les ponts apparemment. Quelle bonne nouvelle. Venez. Dépêchez-vous, humain. La passerelle est presque... Monitor. Pourquoi est-ce que c'est là? J'ai une mauvaise nouvelle, humain. Le veilleur nous a repérés. C'est une vieille connaissance. Il vient vous voir, sans doute pour dire bonjour. Ah ben, je pense que le veilleur, face au temps, qu'il risque d'avoir un peu de mal quand même, non? Fantastique. Votre victoire me remplit de joie. Malheureusement, c'est le veilleur qui a gagné. Ah bon, ça? Cortana est à présent si proche du but que chaque seconde la renforce. Votre véhicule ne peut pas traverser ce terrain, humain. Vite, la passerelle est derrière cette colline. Je quitte le véhicule. 1-1-7, si vous me recevez, nous approchons de la passerelle. Maintenez votre position. Cortana bloque toujours les coms? Oui, mais je suis certaine que les humains sont encore dans la passerelle. Ce pélican de l'UNSC ne volera plus. Encore la bulle de sous-espace du gardien, sans doute. Prenez des munitions si besoin, mais avancez. Ah là, il y avait ce qu'il fallait en munitions, et ça c'est quoi? Ah oui, c'est un rail. Je préfère la mitraillette que j'ai là, j'aime bien cette mitraillette. Est-ce qu'on doit bien aller là? Oui. Je vous ai peut-être mal jugé, humain. Votre attitude me semble être de la ténacité, mais je me rends compte... qu'elle est tout simplement suicidaire. Vous l'avez blessé, c'est sûr. Continuez comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez mené un digne combat, Spartan. Oh la brute!
Mais c'est terminé. Merci, Buck. Attention, sniper à l'arrière. Quoi, sniper à l'arrière? Dégommez-les, hein. Attention, oui. Faut pas que j'oublie que j'ai l'esquive sur la... sur la droite, enfin n'importe où, là. On l'a eu ou pas? Non, 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 on l'a pas eu. Qu'est-ce qu'il lui fait là? Tu ne peux rien contre moi. T'as une petite grenade. Il va encore faire. Oula! Si on essaie de passer par derrière là. Merde. Là c'est chaud là, hein, quand même. Mon armure ne répond plus. Ah ouais, d'accord. Là, ça a fait très mal, hein. Je pense que... Cortana bloque toujours les coms? Oui, mais je suis certaine que les humains sont encore dans la passerelle. Ce pélican de l'UNSC ne volera plus. Encore la bulle de sous-espace du gardien, sans doute. Prenez des munitions si besoin. Tiens, prenez ça. Je pense que si quelqu'un prend le rail, là, ça peut être pas mal, ouais. Ouais, ouais, ouais. Allez. Donc, on revient ici. Alors là, va falloir la jouer stratégique, hein. Je vous ai peut-être mal jugé, humain. Tiens, on va prendre ça, déjà. Votre attitude me semble être de la ténacité. Mais je me rends compte qu'elle est tout simplement suicidaire. Donc là-bas, il y a le veilleur, hein. Quoi, des snipers à l'arrière? Qu'est-ce que vous c'est que cette histoire? Un digne combat, Spartan. Non, il n'y a pas de sniper à l'arrière. À mon signal. Si j'en mettais un là-bas. Là-bas, c'est le vigueur, là-bas. Ouais, bon, ok. Qu'on avance un petit peu plus, hein. Quoi, on est cerné. Vous l'avez blessé, c'est sûr. Continuez comme ça. Ah, mais il est encore vivant, lui. Bah oui, il est encore vivant, c'est le veilleur. Le veilleur est furieux. Un de moins. Feu à volonté sur le veilleur. En position. Reçu, prenez cette position. C'est bon. On doit aller où là? Qui nous tire dessus? Ah, le petit chien galeux. Je suis à terre, venez m'aider. Allez, Tanaka. Je tire sur l'humain. Je suis blessé. Mon armure ne répond plus. C'est reparti, Locke. Merci, Spartan. Le renfort tire dessus. Là, c'est quand même un combat délicat. Hein. Tiens, il y a qui, là? Celui-là, on l'a eu. Est-ce que je pourrais leur dire d'aller ailleurs? Ah, il reste plus beaucoup de munitions. Ça, j'aimerais bien dégommer ce truc-là.
Ah oui, pas bête de se mettre... De se mettre à quatre pattes, là. Ah, c'est bon, on l'a eu, ce truc. Par contre, il me reste pas beaucoup de munitions. Qu'est-ce que c'est qu'il nous envoie, lui ? Ça, c'est un petit snipe. Donc, le veilleur, quand on... J'ai jamais vu des combattants aussi doués que vous. Le veilleur sera bientôt vaincu. Ah oui ? Enfin, ses corps seront vaincus, car le veilleur... Bah, peu importe, continuez. Vous y êtes presque, achevez-le. Bah oui, je veux bien l'achever, mais bon. Le veilleur est la nouvelle cible. J'y vais. Ok, plus de munitions sur celui-là, ben on a fait ce qu'on pouvait. Là-dessus, j'en ai un petit peu. Ah, par contre, ils y vont de front. Allez, on va les aider. Oh, je me suis fait défoncer la tronche. J'ai besoin d'aide. Tu es immobilisé. C'est bon, merci. Il est où? Ça suffit. Oh là, je crois qu'il va s'en prendre une là. Il est où là? Capable de ressentir une émotion? Le veilleur n'est pas un robot. Je pensais que vous l'aviez compris. Suivez-moi. Merci pour le coup de main. Ok. Bon, bah, Buck, il reviendra plus tard, hein. Je pense qu'il est revenu, d'ailleurs. Il reste quelques munitions sur ce truc-là. Maintenant, on doit localiser le Major. Oui, bien, on vous suit, exubérant, là. Allô? Votre cerveau s'est déconnecté? Ouais, qu'est-ce qu'elle nous fait? Ah ben, ça y est, fallait simplement rentrer là-dedans. Là, les autres! Major! S'il vous plaît, attendez. Cortana... Elle est dangereuse, je sais. Vous n'êtes pas obligé d'y aller seul. On est là pour vous aider. Vous arrivez bien trop tard. Cortana. Non. Oh non. Elle n'aurait pas dû l'amener aussi près d'elle. Ça va permettre aux veilleurs de faire des ravages. Alors, de quoi il parle, là? Ah bon, on a fini le chapitre. Où est-ce qu'on est ?